puis on a pas mal de joueurs de la RDC qui évoluent dans le championnat rwandais. Et puis, à la fin de ce match, vous aurez donc la grande finale entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Donc autant vous dire que ces deux matchs sont importants. Ces deux matchs sont importants parce que remporter une médaille de bronze, je pense que aussi bien pour la RDC que pour le Rwanda, c'est quelque chose d'important. La RDC, le champion en titre qui a été éliminé en demi-finale par le Maroc, qui a quand même envie de se consoler hein, avec une médaille de bronze. Et puis le Rwanda qui globalement aura fait un très bon tournoi, rentré petitement dans ce tournoi en perdant ses deux matchs initiaux. Et puis après, le Rwanda a avancé jusqu'à perdre hier, avant-hier en demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Ce match donc qui va partir dans quelques instants, la présentation des joueurs. RDC, Rwanda, c'est voilà, le match entre voisins, des joueurs qui se connaissent, qui évoluent dans le même championnat, certains évoluent même dans les mêmes clubs, pour dire que même si on se connaît, cet après-midi, il n'y aura pas de cadeau à se faire. Pour la RDC, en tout cas, Kendall Gray, Olivier Touratsinze, William Robbins, Jean-Jacques Mchobozoua, Dan Manzi, Cadeau de Dieu Furaha, Emile-Louis Kazeneza, Dick Sano, Patrick Ngabonziza, Steve Agumintouari, Dieudonné Ndizé et Ntore Abimana. Cette équipe qui est managée par Yves Mourenzi. Et puis Yves Mourenzi assisté d'Aristide Mugabe et Kenneth Gassana. Et puis côté RDC, on aura Michael Bonga, Espoir Aganzi, David Nkibisaka, Roli Fula, Exocé Ikemba, Kambui Pichumanga, Garmin Kande, Jack Kapongo, Bobo Kasongo, Evariste Chongania, Arsène Moana, une équipe managée par Piero Ilunga. Vous venez d'entendre en tout cas l'hymne national du Rwanda. Le staff technique du Rwanda et à présent ce sera l'hymne de la RDC.
Allez, les derniers moments de concertation entre partenaires et puis ce match qui va partir dans quelques instants. Rwanda, République démocratique du Congo, c'est la petite finale. Ce match qui va être très important parce qu'au bout, il y a quand même une breloque à aller chercher, hein. Je pense que remporter une médaille de bronze, ce n'est pas anodin. C'est très important dans ce championnat, l'Afrocan, qui montre quand même que voilà, au niveau des joueurs locaux en Afrique, il y a de très très bonnes choses qui se font. Et ça viendrait aussi récompenser le travail de ces fédérations qui se battent, parfois avec les moyens du bord, mais qui se battent. La fédération du Rwanda qui fait de très bonnes choses, la fédération de RDC aussi qui se bat avec ses moyens. Et je pense qu'une médaille de bronze viendrait en tout cas récompenser le travail qui se fait de part et d'autre. Allez, les dernières consignes avant le début de cette opposition. Je parlais de joueurs qui se connaissent. Avant ça, les arbitres, Amir Taboubi de Tunisie, Diallo Mahamadou du Mali et Kingsley Ojeburu du Nigeria. Hein, je disais par exemple, Rolly Foula évolue dans le même club que Jean-Jacques Nchobozwa et Pierre, pour dire que voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais sur le terrain en tout cas, il n'y aura pas d'amitié qui tienne, on ne se connaît pas, chacun se battra pour ses couleurs. Allez, le coach, hein, Piero Ilunga, qui voilà, qui donne ses dernières consignes avant de lâcher les fauves. Voilà, on court, on court, on court. Ce sont les consignes que vient de donner le coach à son équipe. Et dans quelques instants, ce match qui va démarrer. Tout le monde se connaît, je le disais, tout le monde se salue. Ces deux pays sont voisins. Beaucoup d'amitié de part et d'autre. C'est ça la beauté du sport. Allez, déjà beaucoup de. Et c'est parti en tout cas pour cette petite finale. Merci à tous, hein, de nous rejoindre sur la chaîne YouTube de la FIBA. Beaucoup de supporters du Rwanda, beaucoup aussi de supporters de la RDC. Voilà, ce match est parti. Et au-delà, ce n'est que du sport. Le meilleur va gagner. Arsène Moana à 3 points. Ça ne va pas rentrer. Ce tir du meneur congolais. On sait qu'il fait beaucoup d'autres choses très très bien. L'adresse, ce n'est pas son fort, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel il travaille. William Robbins, à l'opposé. Foura, il me disait devant Shangania, ça ne rentre pas. Et premier rebond de Kambui Pichumanga, le meilleur rebondeur de ce tournoi. Pour l'instant, en tout cas, Rolly Foula, défendu par Kendall Gray. Rolly Foula. Le jab step qui ne passe pas et l'interception tout de suite. Jean-Jacques Nchobozwa en transition. Ouh, passage en force. Faute offensive de Dieudonné Ndizeye.
Bonne prise de position en tout cas de d'Arsène Moina. Jido actif. I don't make prediction. I am a commentator. I am neutral. Bobo Kassassa, Pichumanga sur le post-op. Pichumanga. Et c'est un marché. Marché de Kambui Pichumanga. Oh, à moins qu'il y ait une faute sifflée contre Kendall Gray. Sur le premier geste de l'arbitre, Monsieur Taboubi, c'était un marché qui s'est commué en faute personnelle donc de Kendall Gray. Donc Pichumanga va avoir deux lancers francs. Premier lancer franc réussi. Hector Roldan, let's go. Rwanda, Abdellah Mahili, victoire RDC. Congo will prevail, let's go Congo. Merci, merci, merci à vous tous, en tout cas pour tous vos messages. Fatongué sont infidèles, nous sommes au rendez-vous. Merci d'être au rendez-vous. Cédric Caneza, yeah, as if you wasn't on Côte d'Ivoire side last game. I was not. I was not. A lot of Rwandans told me I was not, so for you is not a problem. Allez, Kendall Gray qui va marquer plus la faute de Kambui Pichumanga, la réponse du berger à la bergère. Allez, lancer franc. L'action à 3 points de Kendall Gray. Arsène Moina, Rolifula dans la peinture. Pichumanga qui est contré par Gray, mais il va récupérer son rebond. Oh, aïe, aïe, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une faute de cadeau de Diofura. Alors là, le contre, il est bon. Et puis derrière, bah. Allez, Pichumanga, au rebond. Au lancer franc. Ça ne rentrera pas. C'est reparti côté RDC. William Robbins. Foura. Nshobozwa qui va se lever à 3 points. Et ça fait bang! Le premier banger de ce match est pour Jean-Jacques Nshobozwa. Moana. Foula. Moana. Demande le ballon dans l'aile, Arsène Moina qui va partir sur un drive pour mieux ressortir le ballon. Bobo Kassassa, la réponse, ça ne rentre pas. Pichumanga pour l'instant souverain au rebond. Et c'est Évariste Changania qui va profiter de l'offrande pour scorer. Deux équipes qui se tiennent pour l'instant en un point. Foura pour Kendall Gray. Kendall Gray, tête de raquette, toujours en mode relais. Allez, c'est un beau duel là que se livrent Nshobozwa et Moana. Nshobozwa qui va aller scorer son 5e point du match. Huit-cinq pour le Rwanda. Quelques petits soucis de liaison. On espère que nos techniciens vont faire le maximum. Bobo Kassassa. Kassassa. Arsène Moina. Arsène Moina. L'écran dans le dos de Pichumanga à l'opposé pour Bobo Kassassa. Bobo Kassassa qui va s'embarquer sur le drive. Il va défier Kendall Gray. La tentative de claquette qui ne marche pas. Et regardez qui vient chercher ce rebond. Jean-Jacques Nshobozwa qui ne fait pas partie des plus grands. Nshobozwa.
Et le bon retour défensif là de Rolifula. Dieudonné Ndizeye à 3 points. Dieudonné Ndizeye. Ça ne rentre pas. Le rebond long, Bobo Kasasa pour la RDC. Arsène Moana qui va provoquer la faute de William Robbins. Ndayishimiye Fabrice visit Rwanda for sure. I will be there for Women Afro Basket. Allez, Jean-Jacques Nchobozwa sur la relance. Foura qui va se faire contrer. C'est Ndizeye qui se fait contrer par Kambui Pichumanga. Ouais, quelques soucis, hein, quelques soucis avec la qualité de l'image. Des problèmes de connexion. Et on espère que tout va rentrer dans l'ordre pour que nous ayons en tout cas une très très belle dernière journée de cet AfroCan, hein, une compétition qui petit à petit est en train de trouver son public, petit à petit qui devient populaire. Et ça, c'est très très intéressant entre deux AfroBasket, l'AfroCan qui permet aux sélections locales de travailler, de montrer ce qu'elles savent faire. Et surtout, ces sélections locales peuvent être renforcées par deux joueurs évoluant hors d'Afrique. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Foura, qui aurait pu scorer tout seul, mais là, un peu trop altruiste, là, cadeau de Dieu, Foura. Allez, il va rester une seconde sur la possession. Il va falloir prendre un shoot, mais extrêmement rapide pour les Rwandais. Allez, c'est compliqué, hein? C'est compliqué la retransmission. Mais voilà, nos techniciens font le maximum en tout cas pour essayer de stabiliser cette connexion. Et Bobo Kasasa qui va partir sur un drive qui ressort à 3 points pour Rolifula. Rolifula, ça ne rentre pas, mais Pichumanga est royal. Il est royal au rebond. Souverain en tout cas, le rebond offensif, et il va aller provoquer la deuxième faute de Kendall Gray. Dan Manzi est rentré à la place de Foura. C'est pas une bonne nouvelle en tout cas pour les Amavubi, la deuxième faute là de Kendall Gray. Il fait un très bon travail de sape au rebond, Pichumanga. Pichumanga qui a à plus de 11 points de moyenne, 11 rebonds de moyenne sur l'ensemble du tournoi. Meilleur rebondeur. Evariste Shangania, 21,5 points, meilleur marqueur du tournoi. Voilà. De très très bons joueurs. Et la RDC est la seule équipe à scorer en moyenne 72 points par match. La meilleure attaque incontestablement de ce tournoi. Et pourtant la RDC joue la petite finale. Voilà, c'est comme ça.
Ce n'est pas toujours que les chiffres disent tout non plus au basket. Allez, lancé franc de Robbins qui passe. Ah, que c'est difficile, que c'est difficile. Cette image qui n'est pas stable. Oh, Pichumanga qui a perdu ses appuis, mais encore une faute de Kendall Gray. Alors ça, ça peut être un vrai souci. Et ça va être... Alors, il n'y a rien qui s'actualise malheureusement. J'ai deux fautes pour Kendall Gray. Et puis Chumanga au rebond. Lancé franc. Allez, Pichumanga qui va scorer ici. Le tir à 3 points de William Robbins, trop court. Ballon pour la RDC, espoir à Ganzi. Ballon va sortir en faveur des Congolais, espoir à Ganzi par exemple, hein, qui joue à Ujibi dans le championnat rwandais. Comme je le disais, hein, beaucoup de joueurs qui se connaissent, beaucoup de joueurs de RDC qui évoluent dans le championnat du Rwanda, qui sont des amis, et ça c'est très important. Et la RDC qui égalise. Dieudonné Ndizeye, ça ne rentre pas. Encore un rebond capté par Kambui Pichumanga, Bobo Kassassa, Olifula sur la ligne de fond. Ça c'est bien fait. Ça ne rentre pas pour Kandé. Et Robbins qui va relancer la RDC. William Robbins. Jean-Jacques Nchobozwa en relais. En relais, mais ce tir de Dixano qui ne rentre pas. Le coast to coast de Rolifula manqué, mais regardez qui surgit. Kambui Pichumanga. Il est attiré par le rebond et déjà 6 rebonds pour Kambui Pichumanga. Le meilleur rebondeur de cet Afrokan, de ce championnat d'Afrique. Le joueur du REG dans le championnat rwandais. Et encore, la moisson continue pour Pichumanga sur ce raté de Jean-Jacques Nchobozwa. Espoir à Ganzi. À Ganzi qui va ressortir à l'opposé. Bobo Kassassa. Ça ne rentrera pas. Rebond Dan Manzi. Et on est reparti. RDC. Ballon perdu. Rolifula qui va trouver tranquillement Bobo Kassassa. Eh oui, 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 oui. Temps mort tout de suite. Temps mort demandé par Yves Mourenzi. La RDC qui a pris à la gorge en tout cas son adversaire et qui pour l'instant fait la course en tête. De très belles séquences de jeu de transition. Et là on voit la fin de cette contre-attaque conclue par Bobo Kassassa. Le commentateur, comment tu trouves la performance du Maroc? Je pense que le Maroc était outsider au début de ce tournoi. Le Maroc a perdu contre la Tunisie, mais derrière, on a vu une équipe du Maroc qui a progressé au fil de la compétition et aujourd'hui. Mais le Maroc est en finale et le Maroc mérite en tout cas sa finale. Alors... Alors, okay. Fatou Nguesson, ne laissez pas les Rwandais tirer à 3 points, sinon ils remporteront le match.
Allez, ça va repartir. La RDC pour l'instant qui a pris les commandes de ce match. 4 points d'avance, 17-13. Ntore Abimana qui est entré en jeu. Dan Manzi. Le ballon qui va revenir. Koura avec la planche. Voilà, ça peut faire du bien. Et de l'autre côté, Jack Capongo est entré aussi pour la RDC. Ouh, c'était pas facile ça, ce drive. Et la bonne passe en transition. Dan Manzi à 3 points. Bang, 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 bang. Deux réussites coup sur coup là, à l'extérieur, à longue distance. Et le Rwanda qui repasse devant. Jack Kapongo, Rolifula. Ça ne rentrera pas. Le rebond pour Abimana. Abimana. Abimana qui va trouver un Chobozwa. Un Chobozwa. Le ballon dans les mains de Agumin Touari. C'est manqué. Espoir à Ganzi. Jack Capongo, in and out, ça ne rentre pas. Il y a du rythme dans ce match et c'est tout ce qui nous plaît, tout ce qu'on veut voir. Ntore Abimana qui va organiser son équipe. L'écran de Dan Manzi. Abimana qui va ressortir dans les mains de Dixano. Nchobozwa maintenant. Nchobozwa qui va driver. Nchobozwa qui se fait contrer. Et c'est reparti la contre-attaque pour la RDC. Et c'est une faute. Faute sifflée contre. Alors, Dixano, Rutatika. Sur cette tentative de layup main gauche de Jack Capongo. Allez, premier lancer franc manqué par Jack Capongo. Très bon joueur et surtout une très belle personne, Jack Capongo. 0 sur 2 pour Capongo. Et Ntore Abimana pour les Bleus du Rwanda. Abimana, Abimana. Shoot un peu difficile, mais bien suivi, bien suivi. Malheureusement, on arrive en fin de possession. Bon, je présume que c'est un rire jaune là. Le Rwanda qui bascule en tête de ce premier quart-temps avec 2 points d'avance, 19 à 17. Voilà, la qualité de la retransmission s'améliore petit à petit. Et nous, on fait une petite pause, on revient dans quelques instants. Et pendant que vous voyez les highlights hein, de ce premier quart-temps, laissez-moi juste vous dire que Kambui Pichumonga, pour l'instant, est en train de faire une excellente moisson au rebond. Pichumonga, 7 rebonds et 9 points. En tout cas, sur ce début de match, dans ce premier quart-temps, il a fait de très très bonnes choses. Et la mauvaise nouvelle côté rwandais, ce sont effectivement les deux fautes d'entrée de jeu de Kendall Gray. Et malgré tout, le Rwanda est devant de 2 points à la fin de ce premier carton. Quelques instants, ce deuxième carton qui va repartir.
Remise en jeu. Relief Oula à Ganzé. Voilà, ça c'est bien fait. Garmin Kandé. Oublié derrière la zone rwandaise. Il était dans ce qu'on appelle la seal position. Et Garmin Kandé qui score pour égaliser 19 partout. À 3 points, avec un peu de réussite, mais il en faut. Tire à 3 points de Dick Sano. Alors, c'était un tir à 2 points d'après les arbitres. À 3 points, il était bel et bien à 3 points, effectivement. Et encore, Garmin Kandé, toujours dans cette seal position. Il va se cacher derrière la zone et comme ça, il peut être servi sur les drives de ses partenaires. L'écran de Manzi pour Abimana. Le ballon qui arrive dans les mains de Chobozwa. Dixano, cette fois-ci, ça ne rentrera pas. Le rebond sera pour le Rwanda. Il est allé se bagarrer au rebond, Steve Agumintwari, le joueur des Patriots Basketball Club. Allez, on va remettre les choses en place avec Abimana, Manzi, Dan Manzi, Chobozwa en fin de possession, obligé de prendre le tir, mais ça c'est bien fait. Belle présence au rebond de Dick Sano Rutatika. Allez, une défense assez haute, assez agressive côté rwandais. C'est une 3-2 très haute. Oh là 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 là, Garmin Kandé, quelle belle entrée en jeu là. Garmin Kandé, ce joueur qui évolue dans le championnat espagnol, club et basketball Tizonia en Espagne. Et encore, Steve Agumintwari qui va driver, provoquer la faute. On ne lâche rien des deux côtés. Ce sera une faute sifflée contre Bobo Kassassa. Et Agumintwari au lancer franc. Le lancer bonus est manqué. Aganza. Circule, relis Fula, Kapongo, Fula, Kapongo, la tentative de drive, ça c'est bien fait, espoir à Ganzé, mais ça ne rentrera pas, et les Rwandais qui vont partir sur la transition, Dan Manzi, hey, une poussette là d'espoir à Ganzé. Et c'est une nouvelle faute. Nouvelle faute sifflée en faveur des Rwandais. Ntore Abimana. Steve Agumintwari. Steve Agumintwari. Pas mal fait sur ce drive. Pour donner 6 points d'avance. Attention, attention aux pertes de balles. On sait que ça a été un des problèmes de la RDC en demi-finale contre le Maroc. Attention à ces pertes de balles. Yves Mourenzi qui place ses consignes. Le retour en jeu de William Robbins. Jean-Jacques Nchobozwa est sorti. Eh, mésentente, mais le ballon est sauvé. Dick Manzi, William Robbins, Robbins, Rutatika, Dan Manzi à 3 points avec la planche. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait annoncé comme ça, mais voilà, ça fait 3 points. Et les Rwandais qui, petit à petit, commencent à se détacher. Kandé, Garmin Kandé, toujours dans cette seal position. Il va falloir en tout cas trouver une solution, mais il exploite très très bien les errements défensifs du Rwanda. Abimana, Manzi,
Rubens, Rutatika, Agumin Touari, Rutatika, qui s'est pris un mur. Et la relance pour la RDC. Garmin Kandé qui retrouve Jack Kambuimanga. Pichu Kambuimanga, je vais y arriver. Et l'accélération. Abimana. Manzi. Dan Manzi avec sa jolie patte gauche. Ça ne rentre pas. Le ballon qui fait le tour de l'arceau qui ressort. Et la contre-attaque. Espoir Aganzé. Espoir Aganzé. L'écran de Garmin Kandé. Bobo Kassassa qui va se lever à 3 points. Ça ne rentre toujours pas. Côté RDC. Entore Abimana qui va relancer pour le Rwanda. Dan Manzi qui a travaillé. Rutatika au-dessus de Pichumanga. Il fallait oser le faire en tout cas. Hein, Dixano Rutatika. Ouf. Coup de coude là dans la mâchoire de Stig Agumin Touari. Alors, hop, je suis pas sûr qu'il l'ait vu venir et qu'il l'ait fait exprès. C'est dans le feu de l'action, malheureusement, pour Agumin Touari, qui paraît... Ah oui, il saigne, malheureusement. Allez, on va s'occuper de Steve Agumin Touari. L'arrière des Patriots Basketball Club. Qui malheureusement prend un coup malencontreux. Et on sait que quand un joueur saigne, il faut absolument le remplacer. Ah, il est déçu et il est en colère aussi hein, de ne pas continuer. Mais voilà, ça fait partie en tout cas de. Ça fait partie de du jeu. Allez, on va quand même regarder pour savoir si le coup de coude de Bobo Kassassa était volontaire ou pas. Kingsley Ojeburu, le Chief Crew. Can we have a replay, please? Kamate Hassan, le préposé à l'official review, le préposé à la vidéo. Et puis Amir Taboubi, le deuxième arbitre qui regarde aussi. Alors. C'est pas sous cet angle-là qu'on va mieux voir. Alors, sur celui-là, la vraie question sera de savoir s'il voit arriver Agumin Touari ou pas. Ce sera la vraie question à se poser. Alors, hop, pas facile. Est-ce que Bobo Kassassa voit venir le joueur? Est-ce qu'il ne le voit pas venir? En tout cas, il y a bel et bien coup de coude hein, sur Agumin Touari. Alors, il va falloir prendre la bonne décision parce que pour l'instant, la faute avait été attribuée à Steve Agumin Touari. Si on change la décision, ça veut dire qu'il faut annuler la faute de Steve Agumin Touari aussi. Hein. Okay.
One more time, please. Can we see the number? It's not on the court. It should be on the court. Okay, number seven. Number seven. Yeah, let's go. Liga Selena, number seven. No, no. You are sure you have number seven? Number seven. Ça prend du temps, c'est normal. C'est normal que ça prenne du temps. Hein. Il faut prendre la bonne décision pour ne léser aucun joueur impliqué dans cette action. Parce que Steve Agumintuari, il a pris un coup et il a été sanctionné d'une faute. Maintenant, est-ce que Bobo Kasasa, il fait exprès ou pas? Voilà, c'est ce que les arbitres essayent vraiment de regarder. Alors, quelle sera la décision de M. Ojeburu? Ok, la faute est bel et bien confirmée contre Steve Agumintuari. Et le ballon sera pour la RDC. Donc il n'y a pas de faute antisportive contre Bobo Kasasa. Allez, ballon pour la RDC. Jack Kapongo, le ballon dans les mains de Pichumanga, Bobo Kasasa. Cette fois-ci, il est contré à la régulière par Kendall Gray. Abimana, l'écran de Kendall Gray. Abimana qui va partir, le scoop shot. Et la claquette dunk, le putback de Kendall Gray. Attention, plus 10 pour les Rwandais dans cette petite finale qui pour l'instant en tout cas tient toutes ses promesses. On assiste à un beau match. Robbins, défendu par Garmin Kandé. L'écran, hey, ça s'est pas mal fait mais c'était trop téléphoné. Bien lu par Espoir Aganzi qui vient intercepter ce ballon mais qui va sortir. Remise en jeu, ligne de fond. Avant ça, il y aura un temps mort. Allez, Piero Ilunga qui va distiller ses consignes à ses joueurs. Parce que pour l'instant, en tout cas, le Rwanda fait la course en tête. 35 à 25. Il va surtout falloir varier le jeu offensif côté RDC. Et surtout, trouver peut-être un tout petit peu d'adresse. 0 sur 9 à 3 points pour la RDC. Côté rwandais, on est à 5 sur 14 à 3 points. 35% de réussite. La remise en jeu sera pour... les Amavubi, les guêpes. Hier, c'était les guêpes contre les éléphants. Aujourd'hui, les guêpes contre les léopards. Et c'est un rebond capté par les léopards. On va repartir. Espoir Aganzé. Rolifoula qui est de retour sur le parquet. Aganzé. Aganzé qui va se stopper. Le pull-up jumper, ça ne rentre pas. Rebond, William Robbins. Robbins. Défendu par Fula. William Robbins qui va partir. Il n'y a pas d'aide défensive sur Oli Fula. Le tir à 3 points de Kazeneza qui ne va pas rentrer. Et ça, c'est une bonne passe de relance. Jack Kapongo qui est parti un peu à l'aventure là. Jack Kapongo. Et on va remonter ce ballon côté rwandais. On essaye de faire circuler ce ballon.
William Robbins, Dan Monzi. Encore un nouveau tir à 3 points manqué par Kazeneza. Alors, ce sera une faute sifflée. Alors, si c'est Kendall Gray, ça va faire la troisième faute. Hein. C'est plutôt William Robbins qui est pris par la patrouille. Ou alors Kazeneza. Allez, c'est reparti. Garmin Kandé. Un post-op. Garmin Kandé. C'est dommage, il n'a pas la réussite. Et ça va repartir en contre-attaque. Kendall Gray. Ça ne rentre toujours pas. Pichumanga cette fois-ci, voilà, qui va terminer la contre-attaque. Touré Abimana, le retour d'Arsène Moana, Dan Monzi, trop long, rebond Pichumanga, son huitième rebond. Et pas mal ce tir en poste médian. De Garmin Kandé sur une passe de Rolifula. William Robbins. William Robbins qui va aller intelligemment provoquer la faute de Kambui Pichumanga. ...35-29 en faveur des Amavubi contre les Léopards. Et Pichumanga qui réduit la distance. Allez, remise en jeu, ligne de fond, screen de screener, comme on dit dans le jargon. Et c'est Robbins à 3 points. Le rebond sera pour les Rwandais qui vont retravailler. Dieudonné Ndizeye qui ne trouve pas la mire. Abimana qui va ressortir à 3 points cette fois-ci pour Ndizeye. Bang, 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 bang. Se tire à 3 points. Qui permet de donner un peu plus d'air à cette équipe rwandaise. Oh là là, Evariste Chongania qui va perdre le ballon. Ce n'est pas dans ses habitudes. En trailer, Kendall Gray, ça ne rentrera pas. Et la contre-attaque. Et une nouvelle fois, c'est Pichumanga. En fin de contre-attaque. Boum, 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 badaboum. Kambui Pichumanga. Qui vient de terminer deux contre-attaques. Hein. Voilà, comme quoi, tout peut arriver. Touré Abimana, la bonne défense d'Arsène Moana. Le ballon à l'opposé, William Robbins. Ça ne rentre pas, nouveau rebond de Pichumanga. Arsène Moana qui va donner du rythme. La bonne transition défensive des Rwandais. Garmin Kandé, ça c'est bien fait. Très très bien fait le passage en ligne de fond de Garmin Kandé qui permet à la RDC de revenir petit à petit dans ce match. Voilà, on a trouvé de la variété offensive. Il ne faut pas tout le temps s'entêter à 3 points. Quand ça ne rentre pas, il faut faire autre chose. Et ça, les joueurs de Pierre Ilunga l'ont bien compris. Et ils sont désormais revenus seulement à 4 points de leur adversaire. Allez, terminer cette première mi-temps de la meilleure des façons. On aperçoit Aristide Mugabe, un des assistants de Yves Morenzi. Allez, Jean-Jacques Chobozois, a priori, devait remonter sur le parquet. William Robbins est de retour. J'ai aperçu aussi Steve Agumintwari. J'espère que ce n'est rien de grave pour lui.
Thank you, sir, Mr. Sinep. William Robbins. Alors, que s'est-il passé? Faute offensive sifflée par Monsieur Mahamadou Diallo. Faute offensive commise par Ntore Abimana. Alors, j'avais dit 4 points. Il y a 6 points d'écart. 38-32. Rolifoula, le drive dans le dos. Il fait sauter son défenseur. Evariste Shongania, la bonne défense là de Foura. Shongania qui va trouver Bobo Kassassa. Que c'est difficile. Belle séquence défensive des Rwandais. Et ce sera un pied d'Evariste Shongania qui met ce ballon en touche. Incontestablement un des meilleurs joueurs de ce tournoi, Evariste Shongania. Meilleur scoreur du tournoi, deuxième meilleur rebondeur de ce tournoi et meilleur passeur, hein, Evariste Shongania, alors que c'est un poste 4. Voilà, pour vous dire que c'est un excellent joueur et ce n'est pas pour rien que Shongania évolue en Espagne. Allez, c'est la fin de ce deuxième carton, c'est la mi-temps et à la pause. Pour l'instant, les Rwandais sont devant. 38-33. Le score a été finalement corrigé. 38-33. Dans le sillage, en tout cas, d'un très très bon Kendall Gray en défense. Et puis le jeu collectif qui s'est un peu mieux goupillé côté rwandais. La RDC a trouvé des opportunités au niveau de la variété de jeu. Les tirs à 3 points, ça ne rentre pas, 0 sur 9. Mais on a essayé de jouer, d'exploiter la contre-attaque. On a essayé de jouer à l'intérieur avec Garmin Kandé. Voilà, 5 points d'écart. Ce n'est pas grand-chose. A tout de suite pour ce match, pour la médaille de bronze de cet Afrocan. Vous êtes sur la chaîne YouTube de la FIBA. À dans quelques instants.
dans quelques instants, cette partie qui va reprendre, c'est encore la mi-temps dans ce match entre la RDC et le Rwanda. Égalité parfaite au niveau du rebond, donc le rebond ce n'est pas un problème de part et d'autre. 21 rebonds défensifs pour le Rwanda, 27 rebonds partout, 21 pour la RDC, 19 pour le Rwanda, 6 rebonds offensifs pour la RDC, 8 pour le Rwanda, 6 points sur balle perdue pour la RDC, 3 pour le Rwanda, 11 points de contre-attaque pour les Rwandais, 10 points sur deuxième chance contre 6 pour la RDC, 18 points partout pour chaque formation dans la raquette. Voilà, je pense que le gros problème c'est de varier un peu les attaques, et on a vu que Pichumanga 13 points, Garmin Kandé 12 points peuvent être de très bonnes alternatives au shoot à 3 points côté RDC. Du côté rwandais en tout cas, la marque est assez bien rétablie. Que va nous donner cette seconde période? Dans quelques instants vous le saurez. À qui la médaille de bronze dans cette petite finale qui pour l'instant se joue dans un très très bon état d'esprit, et ça c'est très bien à mettre à l'actif des acteurs sur le parquet. Après tout, ce n'est que du sport, ce n'est que du basket, et c'est assez important de le signaler. On l'a dit, 0 sur 9 à 3 points pour la RDC contre 28% pour le Rwanda, 36% d'adresse globale contre 34% pour le Rwanda, 5 ballons perdus pour le Rwanda, 6 ballons perdus pour la RDC, 7 sur 10 au lancer franc pour la RDC, 70%. 2 sur 3, 66% pour le Rwanda. Sur les chiffres, ça a l'air en tout cas très équilibré. 5 points d'écart au score, ce n'est pas grand chose non plus. On est dans cette deuxième mi-temps qui promet d'être très enlevée. Je le disais, hein, il y a des joueurs de la RDC qui évoluent au Rwanda, alors n'ont pas envie de se faire chambrer quand ils vont retourner en championnat dans leur club respectif. Allez, les dernières consignes en tout cas de Yves Moranzi et de Piero Ilunga. Et c'est parti qui va redémarrer. Dans cette Kilamba Arena de Luanda. Petite finale, mais finale importante. Parce qu'il y a une médaille à aller chercher. La troisième marche du podium à aller chercher. Et donc c'est très important pour chacune des deux équipes, en tout cas, de l'emporter. La RDC, le champion en titre, qui ne pourra pas conserver son titre, mais qui ne crachera pas sur une médaille de bronze. Le Rwanda, qui est en train de devenir une des places fortes du basket africain, qui, pour valider son travail, pourrait aussi être heureuse de remporter cette médaille de bronze. Et pour vous dire, c'est un match qui a de l'enjeu. Kendall Gray, le backdoor avec Dieudonné Ndizeye. Ça commence bien pour les Amavubi. Arsène Moana, Bobo Kassassa.
Bobo Kassassa en poste haut, il va Richon Gagna. Bobo Kassassa à 3 points, ça ne va pas rentrer. Le rebond pour Evariste Chongania, ça c'est bien. Le cut en ligne de fond. Il s'y reprend à deux fois, mais ça rentre pour Rolifula, le joueur du EPR dans le championnat rwandais. Le Mermet avec Dieudonné Ndizé, défendu par Rolifula. Ouh, qu'est-ce que c'est bien fait ça dans le corner. William Robbins qui envoie une bombinette à 3 points. Bien trouvé en tout cas par Dieudonné Ndizé. Une défense assez mobile, assez agressive. Et ça c'est bien fait aussi. La très très belle passe de Chongania pour Moana. Le duel de meneur. Chobozoa, Moana. Chobozoa qui a essayé le split. Ça ne rentre pas. La passe de contre-attaque. Rolifula à 3 points. Préfère passer le ballon. Evariste Chongania. Chongania qui ressort. Bien lu par Jean-Jacques Chobozoa. Il se fait rattraper. Mais à la rescousse, Dieudonné Ndizé. Rebond offensif, plus 2 points. Bien suivi cette contre-attaque. Et le contre de Garmin Kandé finalement n'a pas donné grand-chose parce que lui n'a pas été aidé. Allez, faute de William Robbins là sur cette percussion de Bobo Kassassa. Plus 8 pour le Rwanda dans ce troisième carton. Allez, on essaye de faire circuler ce ballon. And one. Sur ce drive d'Evariste Chongania qui va provoquer la troisième faute de Kendall Gray. Et Kendall Gray qui se plaint d'avoir pris un coup dans des parties sensibles. N1 en tout cas, c'est ce qu'ont décidé les arbitres. Et donc Evariste Chongania sur la ligne de lancer franc. Lancer franc manqué, rebond Kendall Gray. William Robbins pour le Rwanda. Robbins, défendu par Bobo Kassassa. Robbins. Le ballon dans le corner, Jean-Jacques Chobozoa qui va retrouver Robbins. Ça ne rentre pas et c'est une faute là de Garmin Kandé qui a retenu par le bras Kendall Gray. Battu sur la position préférentielle sur le box-out et obligé de concéder une faute, Garmin Kandé. Remise en jeu. Robbins, du jeu en mouvement, Chobozoa. Chobozoa défendu par Arsène Moana qui le suit comme son ombre. Chobozoa qui va driver. Une passe trop compliquée là. Ça c'est vraiment ce qu'on peut lui reprocher. Hein. Jean-Jacques Chobozoa, il a du cœur, il a beaucoup de qualité. Mais sa gestion des balles, parfois, elle est compliquée parce qu'il manque de patience. Oh, ça c'est bien fait! La passe décisive de Chongania pour Garmin Kandé et boum 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 badaboum pour ce dunk de Garmin Kandé. Et la RDC qui revient. William Robbins, bien encerclé par la défense rwandaise. Il va s'en sortir, Dieudonné Ndizé. Et le rebond sera pour la RDC. Oh, ça c'est bien fait encore. La passe off dribble. La passe dans le dribble d'Evariste Chongania. Quel talent ce joueur. Regardez, hop. La passe dans le dribble, comme on dit, off dribble. Et Kandé n'a plus qu'à convertir ce caviar en dunk. Dan Manzi à 3 points, ça ne rentre pas.
Arsène Moana. Moana qui va trouver Shongania. Ouh, Shongania qui perd ce ballon. Jean-Jacques Chobozoa qui va trouver en relais Kendall Gray. Kendall Gray, Chobozoa. Oh, que c'est beau ça aussi. Le slalom de Jean-Jacques Chobozoa dans la défense congolaise pour aller scorer finger roll à main gauche. Ça, c'est bien fait. Allez, Bobo Kassassa, le step aside. Et mid-range, two-point shot. Bobo Kassassa. Ça s'anime. Je le disais, hein, les joueurs se connaissent, certains sont des amis. Et personne n'a envie de se faire chambrer à la reprise du championnat. Dieudonné disait... Bang, bang, bang. Pour le shooter des Patriots, Dieudonné disait... La réponse, Rolly Fula, yes! Bang, bang, bang à son tour. Et c'était même Évariste Shongania, capable de tout faire. Hein. Bel et bien Rolly Fula à 3 points. Allez, les défenses qui se montrent de plus en plus agressives. Et Bobo Kassassa qui commet la faute. Le joueur du BC Espoir Foukash, Bobo Kassassa, qui lui aussi, il y a quelques années, avait évolué au Rwanda. On profite pour saluer Benito Furume, le président du Basket Club Espoir Foukash. Celui qu'on a surnommé parrain. On lui dit Mbote. Et puis, à nos amis rwandais, on dira Mwiriwe. Allez, Chobozoa, off the glass. Ça, c'est pas mal fait. Garmin Kandé. Avec la célébration derrière. Ça se tient en 2 points ce match. Tore Abimana, le crossover, le spin move pour trouver Dan Manzi à 3 points. Ça ne rentrera pas. Rebond, Shongania, encore une passe. Boom! Garmin Kandé. What a dunk! Oh là 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 là, regardez, encore une passe dans le dribble hein, d'Évariste Shongania. Pour Garmin Kandé qui va poser ce dunk monstrueux. Égalité parfaite, 52 partout. Abimana, en se retournant, il est contré. Et c'est une faute sifflée contre Shongania. Alors. À moins que ce soit une faute sifflée contre Bobo Kassassa. Parce que Shongania était assez loin de l'action. Kendall Gray qui va sortir. Jean-Jacques Chobozoa, que c'est compliqué. Mais le ballon va sortir. Our ball, s'écrie Pichumanga. Dans le doute, on va siffler un entre-deux. Et comme sur l'entre-deux, désormais, c'est la position alternée. Le ballon sera donc pour les jaunes de la RDC. Partout, 3-13 à jouer dans ce troisième quart-temps. Évariste Shongania qui a décidé de prendre les choses en main. Cette fois-ci, sa passe sera un peu trop haute pour Pichumanga. Allez, Chobozoa à 3 points, ça ne rentrera pas, rebond. Pichumanga, Arsène Moana sur le drive. Et bien suivi cette contre-attaque d'Arsène Moana.
très très bien suivi par Évariste Chongania avec un hang time de du tonnerre et il va provoquer la faute de Foura. Cadeau de Dieu Foura. La RDC qui passe en tête 54 à 52. Ce match peut se jouer aussi grâce à la qualité des deux bancs. Aïe, 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 il est maladroit au lancer franc cet après-midi. Chongania, il ne nous avait pas habitués à ça. Abimana. Rutatika. Eh, ça, c'est bien fait. Très, très bien fait de la part de Foura. Arsène Moana. Pichumanga ne peut pas capter ce ballon. Roli Foula dans le corner. Pichumanga, cette fois-ci, il obtient une faute. Faute commise par Cadeau de Dieu Foura. En tout cas, ils ont une triplette d'intérieur bien utilisée qui peut faire des dégâts. Garmin Kandé, Pichumanga et Évariste Chongania. D'ailleurs, Chongania, c'est un all-around player pour moi. Il est capable de tout faire sur un parquet. Donc ça peut faire du mal si le jeu offensif est varié côté RDC. Pichumanga qui fait certainement son meilleur match de ce tournoi. ...15 points pour lui et une moisson au rebond. Roli Foula. Foula, on va trouver Chongania. Chongania, la faute de Steve Agumintuari. Alors, la RDC a adopté ce qu'on appelle le tall ball. On connaît le small ball, mais là, ils sont en tall ball. C'est-à-dire, ils ont 4 joueurs grands, plus Arsène Moana en meneur de jeu. Garmin Kandé, Pichumanga, Roli Foula, qui est un ailier mais qui est très grand. Et puis, Évariste Chongania. Aristide Mugabe et Yves Mourenzi justement qui essayent de trouver la solution à ce tall ball qui peut être un problème. Chongania au lancer franc. Allez. Ça se frictionne là entre Dixano et Pichumanga. Dixano, l'ancien pensionnaire de la NBA Academy du Sénégal à Sali, pas loin de Dakar. Ouais, ça, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Lancer franc pour Chongania. Il est ouvert à 3 points et il n'en profitera pas, mais le rebond pour les Rwandais. Deuxième chance. Il s'est battu, mais ça ne rentre pas. Regardez, Pichumanga encore en fin de contre-attaque. Il est incroyable, Pichumanga. C'est lui désormais qui termine les contre-attaques pour la RDC. Cette fois-ci, ça n'ira pas au bout. Mais la qualité de la baseball pass de Évariste Chongania, c'est incroyable. Il a de très très bonnes mains pour un poste 4. Et Pichumanga qui fait encore le ménage. C'est son 11e rebond pour Pichumanga. Allez, Foura. Et la faute d'Arsène Moana.
Le tall ball de la RDC est un problème pour les Rwandais. Il va falloir trouver une solution. En tout cas, 59 RDC, 54 Rwanda. Et pour l'instant, Pichumanga qui se régale. Un gros double-double pour lui, Tambui Pichumanga. 11 rebonds pour 17 points pour le pivot du Reg. Allez, espoir à Ganzé, rentrée. Et la faute. La faute de Foura sur ce, de Rutatika sur ce départ en dribble de Shongania. Il n'est pas d'accord. Bon, les joueurs qui sont d'accord, généralement, quand on leur siffle des fautes, c'est très rare. Et puis les éléphants de Côte d'Ivoire qui viennent d'arriver à la Kilamba Arena pour affronter tout à l'heure les Lions de l'Atlas du Maroc. Qui sera le roi d'Afrique entre éléphants de Côte d'Ivoire et Lions du Maroc. Et pour l'instant, ce sont les léopards qui ont pris le meilleur sur les guêpes, les Amavubi du Rwanda. Les hommes de Piero Ilunga qui sont devant. Abimana, la défense de Pichumanga. Ballon qui va transiter, Agumin Touari, on va servir Kendall Gray. Ça ressort, Foura, il est court, il va prendre son rebond, rebond long. Nchobozwa, open shot, ça ne rentre pas. Rebond pour la RDC. Il va falloir sortir de là. Attention, il y a 8 secondes. Ben oui, il ne faut pas la jouer un peu en dilettante là. En revanche, Nchobozwa qui va manquer un double pas tout fait. Attention à ne pas regretter ce genre de double pas. On voit les stigmates hein, de ce coup de coude involontaire reçu par Steve Agumuntuari de la part de Bobo Kassassa. En tout cas, c'est comme ça que l'ont jugé les arbitres. Agumuntuari qui n'est pas d'accord avec la faute sifflée contre lui tout à l'heure. Les deux équipes étant dans la pénalité, lancé franc à suivre pour la RDC. Le capitaine Dieudonné Ndizé qui est de retour. Eh oui, il ne comprend pas lui-même hein, cette maladresse au lancé franc. Parce que d'ordinaire, c'est un joueur qui est fiable au lancer franc. Evariste Shongania, mais que c'est compliqué pour lui au lancer franc. Allez, 1 sur 2 quand même. Il est dépité. Il est dépité là, Shongania. Abimana pour le Rwanda. Abimana qui va essayer d'y aller tout seul. And one. Le panier et le lancer bonus pour Ntore Abimana, lui aussi qui a rejoint les rangs de Épierre cette saison, ancien joueur des Patriots. Ntore Abimana qui va provoquer la faute de Garmin Kandé. Allez, l'action à 3 points pour Abimana. Allez, on essaye tout de suite de défendre assez haut. 26 secondes à jouer dans ce troisième carton. On va faire un pressing. Bon, ça sera un temps mort. Temps mort sur les 26 secondes à jouer. Essayer de terminer ce troisième quart-temps de la meilleure des façons pour chacune des équipes. Est-ce que les guêpes vont pouvoir piquer les léopards ou alors est-ce que les léopards vont sortir le fimbou pour chicoter les guêpes?
Dans un peu plus de 10 minutes, on le saura, peut-être plus en cas de prolongation. Mais on assiste à une très belle petite finale en tout cas entre le Rwanda et la RDC. Une finale entre amis aussi, entre partenaires. Certains joueurs qui évoluent dans le même club. Et cet après-midi, il n'y a pas d'amis. Il y a une médaille de bronze à aller chercher, une médaille de bronze à remporter. Et ça, c'est important. Puis dans quelques instants, la grande finale. La grande finale qui va opposer la Côte d'Ivoire au Maroc. Au départ de ce tournoi, ces deux équipes, ces deux sélections étaient des outsiders. D'aucuns auraient prédit une finale RDC-Tunisie, RDC-Angola ou Tunisie-Angola. Et puis finalement, ce sont des outsiders. Le Maroc et la Côte d'Ivoire qui vont disputer la finale. Pour dire que voilà, rien n'est jamais écrit en sport. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Le pourcentage à 3 points en tout cas a baissé côté rwandais. Il va falloir trouver d'autres solutions. Peut-être aller chercher des points en drive. Essayer de jouer sur le post-op. Pendant ce temps, la RDC a monté le ton en défense. Défense qui est très très bonne depuis l'utilisation de ce tall ball par le coach Piero Ilunga. On a 4 joueurs qui culminent à 2 mètres, plus le meneur de jeu. Parce que Rolly Foula, a priori, fait 1m98, mais avec les chaussures, ça fait 2 mètres pour moi. Donc on a 4 joueurs de 2 mètres. C'est pas mal essayé, c'est pas mal vu en tout cas. Allez, Abimana à 3 points. Ça ricoche sur l'arceau, la contre-attaque, mais la passe de Pichumanga dans le dos de Garmin Kandé est un échec. Abimana qui va essayer de prendre Pichumanga sur la vitesse, le ballon dans le corner. Ça ne rentre toujours pas et il se bat. Le capitaine Dieudonné Ndizaï qui donne l'exemple en allant capter ce rebond pour scorer derrière. Arsène Moana. Foula, Rolly Foula Nganga. Rolly Foula. Foula. Contré à 3 points par Kendall Gray. Ça c'est bien fait, on va trouver Jean-Jacques à l'opposé à 3 points. Et ça, ça fait du bien. Et ça permet d'égaliser 62 partout. Ce match n'a pas encore livré sa vérité en tout cas. On sait que dans ce tournoi, le gros problème du Rwanda, ça a été la gestion des 4e cartons. Sauront-ils gérer ce 4e carton cette fois-ci? C'est la grande question. Foula Moana. Moana qui va prendre l'écran de Pichumanga. Évariste Chongania. Chongania. Oh, qu'il fait du bien ce tir à 3 points. Cette banderille d'Évariste Chongania. Qui est en train de monter en température, Chongania. 10 points pour lui désormais dans ce match et 7 rebonds. Chobozois, c'est bien ressorti pour Abimana. Abimana, ça ne rentre pas, ça joue. Abimana, la bonne passe. Et toujours pas d'adresse là pour Rutatika. Et regardez. Il est au four et au moulin. Il me disait qu'il va. Aïe, il se tient la cheville. J'espère qu'il n'y a rien de grave pour lui. Faute concédée par Arsène Moana sur ce tir de Dieudonné Ndizé. Aïe.
Espérons pour lui qu'il n'y a rien de grave. Des images qu'on n'aime pas voir en tout cas. Ni d'un côté ni de l'autre. Trois lancers francs à suivre donc pour Dieudonné Ndizé. Merci Moses. Day love. Je fais de mon mieux en tout cas pour vous commenter ce match de la meilleure des façons. Je vois beaucoup de commentaires mais pour l'instant je n'y réponds pas parce qu'il y a quelques relents un peu politisés. On est en basket, restons dans le sport messieurs dames. Et on disait lui va inscrire son lancer franc. À suivre. Voilà. Un point d'avance, des égalités parfaites, que dis-je. 64 partout. 7 minutes à jouer dans ce dernier carton. Arsène Moana. Moana défendu par Chobozois. Moana. Moana, toujours Chobozois en face de lui. Rolifoula. Rolifoula, le switch défensif bien fait. Et le contre. Et le contre rwandais. La contre-attaque désormais. Abimana. Un peu dilettante sur ce coup. Et Arsène Moana qui va concéder une sortie de balle. Et c'est notre ami Toy qui fait le show. Hein. L'Afrique a le meilleur nettoyeur de parquet au monde. Il est angolais, il s'appelle Toy. Mais désormais, il est invité sur tous les parquets africains, quel que soit le championnat. Parce que voilà, ça fait aussi partie de notre culture, ça fait aussi partie de nos talents. Touré Abimana. 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 Ballon qui lui revient. Sur la vitesse. Il va réussir à prendre le meilleur sur Pichumanga. Et aller finir main gauche. Le stop and go. Et puis derrière. La pichenette main gauche. Touré Abimana. Arsène Moana. Le flotteur. Il est court. Moana rebond. Jean-Jacques Chobozois. Chobozois qui n'est pas très grand mais qui tourne en moyenne à 5 rebonds par match pour vous dire à quel point ce joueur est un gros travailleur. Allez, le tir dans le corner, ça ne rentrera pas. Ouh, la belle claquette là. La belle claquette de ce jeune joueur Dixano Rutatika. L'ancien pensionnaire de la NBA Academy à Sali au Sénégal. Au-dessus de Pichumanga parce qu'il arrive à passer devant Pichumanga. Parce que le box-out de Garmin Kandé n'est pas complet. Et voici le Rwanda qui rebascule en tête. Allez, de part et d'autre. Les dernières consignes. 6 minutes 30 à jouer dans cette petite finale. Les supporters qui calment aussi le jeu par derrière. C'est de bonne guerre. Alors, il faut peut-être adapter. Parce que le coach rwandais a réussi à s'adapter au tall ball de la RDC. Est-ce qu'il ne faut pas repartir sur autre chose? On revoit des highlights de Garmin Kandé. Regardez la qualité de passe d'Evariste Chongania. Hop, c'est parti. Je dribble et puis je ne dribble plus, je passe. Voilà. Très très bon joueur. Evariste Chongania, 32 ans. 2 mètres, mais d'une mobilité incroyable. Allez, on est reparti. Arsène Moana. Arsène Moana dans son duel avec Jean-Jacques. Chobozois pas loin de perdre ce ballon. Ouh, ça c'était difficile là, cette tentative de drive.
Alors, les deux arbitres qui ne sont pas d'accord, il va falloir se mettre d'accord, messieurs. En tout cas, Rolifoula, lui, a essayé de claquer ce ballon. Finalement, le ballon sera en faveur des Bleus, c'est-à-dire les Amavubi. 64-69 en faveur du Rwanda. Touré Abimana, l'écran de Kendall Gray, Abimana qui va fixer et ressortir, que c'est bien fait, le drive and kick de Touré Abimana et puis derrière le bang 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 de Dieudonné Ndizé. Il va falloir recoller tout de suite, hein. Duel en haute altitude là entre Garmin Kandé et Kendall Gray. Il n'a pas voulu accepter un poster sur sa tête, Kendall Gray, et finalement, il commet la faute. Regardez, et non, not in my house, mais c'est une faute contre Kendall Gray. Troisième faute personnelle pour Kendall Gray. Premier lancer franc inscrit, réussi par Garmin Kandé. Pendant ce temps, Pichumanga prend quelques minutes de repos. Il en a besoin. Le big guy. Pichumanga, le sapeur. Très, très élégant en tout cas. Quand il est en habit de ville. Abimana, la passe, la scoop pass. La scoop passe d'Abimana pour Ndizeye qui coupe ligne de fond. Là encore, c'était très très bien fait de la part de Ntore Abimana. Attention, ne pas perdre ce ballon, Arsène Moana. Moana. L'aide défensive de Kendall Gray, ça c'est bien fait. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, marché. Malheureusement, marché. Dévariste Chongania, un peu de précipitation là. Et le gros problème aussi d'Evariste Chongania, c'est que il ne sort presque jamais. Depuis le début de ce tournoi, il a quasiment joué 38 minutes sur les 40 à chaque match. Et on peut comprendre qu'il soit un peu émoussé physiquement. Et c'est encore lui qui va relancer la RDC. Le shoot en trailer. Voilà qui va faire du bien, ce shoot en trailer de Rolifulanganga. Mais il faut pas oublier de revenir. Heureusement, cette passe n'est pas captée par Ruth Atika, sinon un gros oubli là sur la transition défensive. Oh, la RDC. Aristide Mugabe qui demande de calmer l'assistant de Yves Mourenzi. Et Rolifula qui va monter le ballon cette fois-ci. Il va défier Dieudonné Ndizé. Rolifula. Garmin Kandé. Dans un mouchoir de poche. Oh là là. Et il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, Kendall Gray. Lui, il est intervenu en deuxième rideau, mais je ne pense pas que ce soit lui qui commette la faute. Alors, voilà. La faute, s'il y a faute, en tout cas, elle est de Ruth Atika, pas de Kendall Gray, parce que Kendall Gray intervient en deuxième rideau. C'est une faute de Ruth Atika. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 les lancers francs. Monsieur Evariste Chongania. Attention à ne pas les regretter en fin de match. Et toujours un sur deux. ...74-70 en faveur du Rwanda. 3 minutes à jouer. On arrive dans le money time et on sait que parfois c'est un problème en tout cas. La gestion du money time par l'équipe du Rwanda. Est-ce que ce soir ce sera l'exception qui confirme la règle? On le saura dans un peu plus de 3 minutes.
Allez, remise en jeu. Ballon dans les mains de Abimana. Abimana qui va ressortir à l'opposé. Ça ne rentre pas, mais Kendall Gray pour le rebond. Attention au box-out sur le rebond défensif. Shongania, Kendall Gray et qui va dunker. Kendall Gray qui prend le meilleur sur Garmin Kandé. Parce que Evaris Shongania a été sorti défendre au large. Marchez. Il faut être patient, il faut faire circuler le ballon, messieurs de la RDC. Alors, il y a un souci avec le score. C'est 76 à 70. Hein. Voilà qui est rectifié. 6 points d'avance. 3-16 à jouer. Abimana qui demande de l'aide. Voilà, il va en recevoir de la part d'un Chebozois. Donc, Abimana meneur, Chebozois deuxième arrière. Voilà la traction arrière qu'a choisi Yves Mourenzi pour finir ce match. Chebozois défendu par Arsène Moina. Même corpulence. Et pas loin de voler ce ballon, Moina. Et le ballon qui va tomber dans les mains de Kendall Gray. Et rebond, sortie de balle en faveur de la RDC du Rwanda. Il assure le spectacle, notre ami Toy. Là, il est passé en mode gardien de but. Alors, le conciliabule entre Mahamadou Diallo et Kingsley Ojeboru, les deux arbitres. Et finalement, le ballon sera en faveur de la RDC. Arsène Moina qui retrouve Jean-Jacques Chebozois. L'écran de Pichumanga. Chebozois dans la pin. Ouais, trop compliqué cette passe à faire. Il fallait utiliser un relais. Ce genre de passe direct du poste 1 au poste 5. Il faut avoir vraiment de la vista pour pouvoir la réaliser. On aurait pu utiliser un relais Bobo Kassassa dans l'aile pour pouvoir servir Pichumanga un peu plus facilement. Mais voilà, c'est un nouveau ballon perdu en tout cas par la RDC. Toré Abimana, le gestionnaire. Abimana. Ça ne rentrera pas cette fois-ci. La contre-attaque pour la RDC. Bobo Kassassa, la belle transition défensive là. Belle transition défensive des Rwandais. Et Kendall Gray, pris par la patrouille. Ça devrait être sa quatrième faute. Alors, deux lancers francs à suivre pour Kambui Pichumanga. Pas le moment de craquer en tout cas. Pichumanga, on sait que les lancers francs, c'est pas la chose qu'il préfère le plus. Même si aujourd'hui, il est quand même à 9 sur 11 au lancer franc, 10 sur 12 désormais. Voilà. Il y a une exception à tout. Et Pichumanga, 18 points, messieurs, dames, 12 rebonds, un gros double-double. Et à ça, on va ajouter un contrat. Avec Kendall Gray qui reste sur le parquet avec ses quatre fautes. C'est lui qui est au lancer franc. Ils sont importantissimes. Désormais, les lancers francs de part et d'autre. Plus 6 pour le Rwanda. 2 sur 2 pour Kendall Gray. Arsène Moina qui va relancer la RDC. Le ballon dans les mains de Shongania.
défendu par Dieudonné Ndizeye. Shongania qui va essayer de travailler tout seul en post-op. Alors, faute de Dieudonné Ndizeye, il n'y aura pas de lancer franc parce que les Rwandais avaient une faute à donner. C'est Ruth Atika d'ailleurs, ils avaient une faute à donner. Les prochaines seront donc sanctionnées par deux lancers francs. Pour l'instant, c'est une remise en jeu, ligne de fond. Attention à ne pas perdre ce ballon qui est très très important là pour la RDC. Là, Shongania à 3 points va se lever. Shongania, ça ne rentre pas. Et regardez toute l'intelligence hein, de Ntore Abimana. Voilà, qui va monter tranquillement ce ballon. Celui-là, s'il rentre, il peut couper les jambes. Heureusement pour la RDC, il n'est pas rentré. D'abord. Il va falloir ne pas donner des opportunités comme ça. Foula, 3 points, non plus. Toria Bimana, Jean-Jacques Nchobozwa, Ruth Atika qui va retrouver Nchobozwa. Voilà, on essaye de jouer l'horloge. C'est de bonne guerre. Et Abimana, oh là là, encore une belle passe. La vista de Ntore Abimana qui offre un nouveau caviar. C'est une offrande, devrais-je dire. Regardez-moi ça. Et hop là, Kendall Gray ne peut que dunker. Très très belle passe de Ntore Abimana. Et derrière, Shongania qui essaye tout doucement, voilà, de rester dans le match. Mais il va falloir se montrer un peu plus agressif là défensivement parce que le temps ne joue pas en faveur de la RDC. Il les accompagne, ils ne défendent pas, ils les accompagnent. Oh là 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 là. Et Abimana en fin de possession, Ndizeye. Ça joue. Et puis voilà, Ruth Atika, à mon avis, qui vient sceller le sort de ce match. Voilà, le match, le panier pour la médaille de bronze en tout cas. On ne va pas jouer cette dernière possession. Médaille de bronze donc pour les Amavubi du Rwanda qui viennent pour une fois de gérer correctement leur quatrième carton et qui vont s'imposer dans ce match pour la troisième place de cette AfroCan. Très très bon résultat en tout cas pour ce pays, pour cette fédération, la Ferwaba. Voilà, qui se bat pour faire du basket un des sports majeurs dans ce pays. Et cette médaille de bronze, à mon avis, vient récompenser aussi le travail de la fédération, le travail des joueurs, le travail de l'encadrement technique, le travail de notre ami Cheikh Sarr, qui est au Rwanda depuis quelques années, le Sénégalais, mais qui travaille au Rwanda depuis quelques années. Très très belle victoire. Et pour la RDC, malheureusement, ça va s'arrêter au pied du podium. Le champion en titre n'a pas conservé sa couronne, mais le champion en titre n'est même pas sur le podium. Il y a des années comme ça où ça ne va pas, mais il ne faut pas tout jeter. Il y a du talent dans cette équipe. Les options du coach n'étaient pas mauvaises. Il aurait fallu se réadapter. Mais quoi qu'il en soit, bravo. Bravo aussi à cette équipe de la RDC. Félicitations au Rwanda. Et nous, on vous donne rendez-vous pour dans quelques instants pour la grande finale entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Qui de l'éléphant ivoirien ou du lion marocain va marcher sur l'autre? On vous retrouve dans quelques instants sur la chaîne YouTube de la FIBA. A tout de suite.
Figo, man, Figo, yeah.